Ça a été un vrai gain de temps au quotidien de ne plus courir après l'information, mais de pouvoir accéder de n'importe où très rapidement à l'information produit qui est diffusée dans tous nos systèmes. Je m'appelle Maxime Pio, je suis responsable des systèmes d'information chez Denneville. Et Denneville est le réseau numéro 1 français du chocolat. Et nous sommes du coup spécialisés dans tous les produits chocolatés et confiseries 100% français. Ce qui fait la clé de notre succès, c'est de mettre dans les mains de nos collaborateurs les outils les plus performants et adaptés à leur activité. Les problématiques qu'on rencontrait chez Denneville dans la gestion de nos vitrines, c'était essentiellement de retrouver la bonne information sur nos produits, de construire ces vitrines-là, c'est éclaté dans plusieurs fichiers Excel, dans plusieurs services. Et vraiment la difficulté, c'était à un instant T d'arrêter la donnée pour pouvoir l'intégrer dans nos différents systèmes et du coup avancer dans la commercialisation de nos vitrines. Quibble s'est très rapidement détaché les autres de par les relations très humaines qu'on a eues tout de suite, par la simplicité apparente que véhiculait l'ergonomie de la solution dans laquelle on s'est très vite projeté. Et un autre point aussi très important, c'est que c'était une application en SaaS accessible depuis n'importe où par n'importe quel collaborateur de Denneville. Et ça, pour nous, c'était essentiel. Faire une vitrine chez Denneville, ça nécessite de monopoliser beaucoup de pôles. Grâce au PIM, chacun de ces pôles est devenu indépendant et peut travailler sans avoir besoin de l'avancée des uns ou des autres. On n'avait plus besoin de solliciter une personne dédiée à l'intégration de la donnée article dans nos différents systèmes. On a pu gagner une ressource complète et la réallouer à des activités à plus haute valeur ajoutée. Un des gros gains qu'a apporté Quibble, c'est sa capacité à s'intégrer dans notre écosystème, son interopérabilité avec toutes les applications facilement. Il propose des API qui sont très ouvertes, très simples à mettre en place et ça nous a permis d'intégrer facilement le PIM avec notre système de caisse. Grâce à Quibble, on peut installer un programme qui va venir nous générer des codes EAN sur chacun de nos produits et ces codes EAN pourront ensuite être redescendus au travers de notre système de caisse pour que nos magasins puissent imprimer leurs codes barres. Ça, c'est un projet qu'on souhaite mener dès 2023.